Le président directeur général de la société hollandaise Amarak Holding, Karel Albert, est venu présenter au Premier ministre Emmanuel Nadinger les activités que mène cette société néerlandaise au niveau international. Amarak Holding est une société qui intervient dans le secteur du pétrole et de l'agriculture. Le président directeur général d'Amarak Holding, Karel Albert, a fait remarquer que cette audience lui a permis de proposer aux autorités tchadiennes un partenariat économique afin de contribuer à développer les échanges commerciaux entre le Tchad et les Pays-Bas. Le chef de gouvernement a relevé que le Tchad est un pays qui regorge d'immenses potentialités minières et agricoles avant d'inviter d'autres partenaires économiques à venir investir au Tchad. Le président directeur général d'Amarak Holding, Karel Albert, a indiqué à sa sortie d'audience que les objectifs de sa société est de promouvoir et de renforcer les relations du partenariat économique avec les pays émergents. L'entretien avec le ministre c'était très bien et que l'objectif c'est d'acheter du pétrole tchadien, pétrole brut, et de créer des projets dans le domaine de l'agriculture au Tchad. Rappelons que le président directeur général d'Amarak Holding a entamé des négociations commerciales en avril dernier avec les responsables des sociétés pétrolières tchadiennes et chinoises dans le but de signer des contrats d'achat et d'exportation du pétrole brut et raffiné.